Lavage régulier des mains et aération des locaux toutes les 3 heures. À partir de mardi, les professeurs devront appliquer un nouveau protocole sanitaire. Mais dans une tribune, les médecins demandaient des mesures permettant de réagir plus vite en cas de contamination. D'après le ministre de l'Éducation, la France se tient prête. Nous sommes en réalité en conformité avec ce que cette tribune demande, avec des procédures prêtes en cas de situation de fermeture ou encore sur le sujet des tests. Chaque fois que quelqu'un, enfant ou adulte, présente des symptômes du Covid-19, on entre dans la logique du test, de l'isolement. Dès mardi, le masque devient obligatoire pour les élèves dès la classe de 6e. Certains enseignants appelés à faire comme l'Italie et à le rendre obligatoire dès le CP. Jean-Michel Blanquer justifie son choix. Le port du masque à partir de 12 ans est une recommandation de l'OMS. Et c'est ce que suivent de nombreux pays. Des réponses insatisfaisantes pour ce spécialiste. L'Allemagne fonctionne par Länder, c'est des régions si vous voulez. Les régions qui ont appliqué le port du masque à partir de 6 ans ont moins de fermetures d'école que les régions qui n'ont pas appliqué le masque à partir de 6 ans. Notre crainte, c'est juste ça, c'est qu'on voit progresser l'épidémie alors qu'on peut faire quelque chose d'assez facile. D'après Jean-Michel Blanquer, ce protocole s'appliquera dans toute la France dès la rentrée, mais pourra être renforcé sur certains territoires en cas de besoin. La mesure, c'est fermer une école ou un établissement.